Hey, bonjour de ces aliens, mon nom est Spike Easy. J'espère que vous allez bien, parce qu'on va parler, les gars, ça va super bien, comme d'habitude, super content encore aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo de news et de leaks sur Fortnite. Et vous savez très très bien qu'on a toujours des informations super super intéressantes, qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu. Du coup voilà, je vais directement commencer avec ces informations super super intéressantes. N'hésitez pas évidemment à lâcher un gros pouce bleu, comme d'habitude, si elles vous plaisent, et nous on y va directement. Alors maintenant, on va directement commencer avec l'information la plus intéressante de la vidéo. Bien évidemment, il se pourrait fort 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 que bientôt dans Fortnite, on ait d'autres variantes de skins Star Wars, tout simplement. Du coup, des variantes Stormtrooper, comme vous pouvez voir ici dans l'image que je vous affiche. Et aussi peut-être même des variantes de Sith, Dark Vador, Rey, etc. En fait, tous les personnages de films Star Wars, etc. C'est fort 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 possible. On a trouvé une information par rapport à ça dans les fichiers du jeu. Et du coup, voilà, très 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 intéressant. Alors aussi une information très intéressante dont je vous avais déjà parlé hier, tout simplement, on a trouvé dans les fichiers du jeu aussi que bientôt on aurait tout simplement un sabre laser qui va apparaître dans Fortnite, voilà, j'allais dire dans Star Wars mais non dans Fortnite, et voilà, on pourra bientôt avoir une petite pioche comme ça, sabre laser, peut-être des sabres laser de Sith, de Jedi, etc. En tout cas voilà, une petite image voilà, qui a été créée par fans sur Twitter, voilà, en tout cas très 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 stylé. Vous pouvez voir que franchement en gameplay ça pourrait vraiment donner quelque chose de super super sympa, du coup je me réjouis énormément. Alors maintenant, une petite information sans trop d'importance, mais que je tenais quand même à vous présenter. Voilà, tout simplement, il y a un nouvel accueil créatif. Vous savez très très bien que quand vous arrivez en mode créatif, et bien vous arrivez dans un petit accueil, et bien ici je vous affiche l'image, voilà, tout simplement, du petit accueil qui a changé, du coup très sympathique. Enfin voilà, c'est pas très important, mais je tenais quand même à vous le montrer. Alors maintenant, encore une petite information assez intéressante qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu. Ici, voilà, je vous rappelle qu'on va bientôt avoir un petit skin de Battle Breaker. C'est tout simplement l'autre jeu d'Epic Games qui va arriver dans Fortnite. Du coup, voilà, vous avez l'image ici, franchement, très, très, très stylé. Je vous l'avais déjà présenté plusieurs fois. En tout cas, c'est vraiment un skin très stylé, un petit peu style chinois, voilà, comme ça, un peu asiatique. En tout cas, très stylé. Franchement, je me réjouis énormément qu'il arrive dans le shop pour un petit peu le voir en gameplay. Je pense que ça pourrait vraiment donner quelque chose de très, très, très sympa. Alors maintenant, petite information officielle et très 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 intéressante, voilà, tout simplement, il y a bientôt les graphiques de Fortnite qui vont encore passer un cran au-dessus, voilà, tout simplement ici, je vous montre une petite note qui explique un petit peu qu'on était au niveau DX11 et qu'on va passer au niveau DX12, en tout cas, voilà, je sais pas du tout ce que ça signifie, je pense que c'est plus pour PC, etc., mais à mon avis, ça va aussi arriver pour console, du coup, voilà, super intéressant, on va avoir des nouveaux niveaux de graphiques, j'aimerais juste énormément de voir un petit peu ce que ça va donner en gameplay, et évidemment, je vous tiendrai au courant sur la chaîne YouTube. Alors maintenant, avant de terminer cette vidéo, je tiens simplement à vous présenter un skin qui est apparu dans la boutique de Fortnite aujourd'hui. Voilà, tout simplement, il s'agit tout simplement du skin chevalier. Du coup, c'est un skin très 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 rare et très classique. Voilà, tout simplement, en fait, tous les anciens joueurs de Fortnite, etc., se souviennent de ce petit skin chevalier. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à vous le procurer, parce que voilà, il est dans la boutique pour une durée limitée. C'est vraiment exceptionnel qu'il revienne. C'est vraiment un skin du tout début. Du coup, franchement, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion. Donc voilà les aliens, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que tous ces petits leaks du chapitre 2 vous mettent la hype pour la suite, tout simplement parce que moi je me réjouis énormément de voir un petit peu tous les événements Star Wars qui vont arriver, les nouveaux skins, le sabre laser, etc. Franchement ça pourrait vraiment être quelque chose d'énorme en gameplay. En tout cas, gros pouce bleu si vous avez aussi la hype, et n'hésitez pas aussi, bien évidemment, le plus important, à vous abonner, parce que vous savez très très bien que toutes les informations de leaks, de news, etc. se trouvent sur ma chaîne YouTube. Du coup voilà, si vous voulez toujours rester 100% informé de la situation sur Fortnite, des fichiers du jeu, etc., la meilleure chose que vous avez à faire, c'est vous abonner, les gars. C'était Speakeasy. Je vous dis à la prochaine pour plein d'autres vidéos de news et de leaks sur Fortnite. À la prochaine, les aliens!